Yo les potes, NSQ, nouvelle vidéo. Désolé pour le retard un petit peu, mais je viens juste de me réveiller, c'est pour ça. On va parler putain, j'arrive pas à parler. Des deux nouvelles pages de la BD. Et aussi, du coup, regardez. On a eu deux nouvelles lettres. Pas une seule lettre, deux. Je sais pas du tout pourquoi deux nouvelles lettres. En tout cas, on a le N et le F. Alors, en anglais, déjà, le mot c'est Nexus, presque sûr. Mais en français, par contre, on a eu plein de lettres. Genre, on a eu la lettre C. Je crois qu'on a eu un O, on a eu N, F, genre conf. Je sais pas du tout quel mot ça va faire. En tout cas, voilà. Et regardez ce qu'il y a marqué. Pour le battre, avec un le en majuscule, pour le battre, ils devront s'allier. Ils devront s'allier. Donc, ils, ça veut dire qu'il y aura plein de super-héros. Et le. Ah non, ils devront s'allier, c'est le monde de Fortnite et le monde de Marvel. Ils vont devoir s'allier pour battre Galactus. Ok. Du coup, les gars, c'est parti. La BD. Moi la BD elle me hype, parce que déjà j'aime bien lire d'habitude les mangas ou même des BD des fois. Ceux qui n'ont pas vu les deux premières pages, c'est la première vidéo et les deux autres, c'est ma deuxième vidéo. Et donc c'est parti. Du coup, on en était au moment où Jonesy etc. ont tiré sur Thor. Du coup, Thor, bam, il lui met un gros coup de marteau dans la gueule. Là on peut voir du sang. Alors, s'il vous plaît, arrêtez ça et répondez-moi. Un grand malheur approche. Et je sens que votre terre commence à aspirer mes souvenirs. Donc là, il sent que la terre de Fortnite aspire les souvenirs de Thor. On voit le petit corbeau qui tire encore sur Thor. On peut voir d'ailleurs un viseur et l'arme elle est toute grise. Peut-être une nouvelle arme, puisque ça ressemble aux pompes tactiques, mais un peu bizarre, avec un petit viseur. Ensuite, on voit Thor qui prend son marteau avec l'éclair. Là, il explose tout le monde. On peut voir Kit en bas. La banane, on sait pas trop ce qu'elle fait. Elle se prend une patate dans la gueule. Et j'ai dit assez. Là, ils s'envolent. D'ailleurs, on peut même voir des petits corbeaux qui volent ou des oiseaux, alors que il y en avait pas dans Fortnite avant. Quelque chose approche, quelque chose que vous ne pourrez pas vaincre sans mon aide, car je suis le dieu du tonnerre, le dieu d'Asgard. Et là, il dit je suis. Et là, il tombe dans les pommes. Alors, ensuite, on voit le marteau qui tombe. Kaboum! Hop, le marteau. On va en parler du marteau d'ailleurs. On va en parler. Vous quittez pas la vidéo. Qui suis-je? Ou comment suis-je arrivé ici? Je me souviens. Et là, les méchants, enfin, les gens de Fortnite, encore tirent dessus. Ah, toi, la fille avec le chat. Je me souviens de toi. Il y a marqué le chat ou la chat? Ouais, non, j'avais mal lu le chat. Et voilà comment ça se finit. On va récapituler vite fait toutes les pages, c'est très rapide. Du coup, là, Galactus et Thor, ils se mettent en alliance pour repousser l'hiver noir qui vont aller sur leur planète. Sauf que Galactus, au lieu de manger des planètes, il veut manger la faille qu'il y a là. Hop, sauf qu'ils se font téléporter dans l'univers de Fortnite. Sauf que, comme par hasard, Thor et Galactus ne sont pas téléportés au même endroit. Thor est téléporté directement dans l'univers de Fortnite alors que Galactus, on sait pas encore où il est. Hop, Galactus va vouloir manger l'univers de Fortnite. Sauf que Thor il va vouloir les en empêcher. Parce que Thor il veut pas que la vie meure. Donc c'est un héros, il est gentil. Du coup, là il leur parle. Sauf que les héros de Fortnite ils comprennent rien du tout. Du coup, ils tirent sur Thor. Thor, du coup, il se bat contre eux. Et après, il veut faire la paix. Et après, il dit, toi, je me souviens de toi. Et là, on sait plus ce qui se passe. Alors, du coup, le marteau, les gars, on peut voir qu'il est tombé. Et bien, le marteau est tombé sur la carte. Attendez, je vais pas lancer en foire en poigne, je vais lancer en labo de combat. Le marteau est tombé sur la carte de Fortnite, les gars, c'est incroyable. Je sais pas si il va l'y être quand je vais lancer la partie, je pense que oui, mais j'ai vu plein de vidéos où les gens parlaient du marteau Fortnite. Je sais il est où, je sais pas s'il a déjà spawn sur la carte ou pas, on va aller voir ça ensemble. En tout cas, je vais vous dire où il est. Le marteau est à Salty Spring. À côté de Salty Spring, il y a le marteau de Thor, pardon. Putain, j'ai mal au cou, à la gorge. On va regarder tout de suite. Du coup, la BD, normalement, il devrait rester 2 pages ou 4 pages, je sais pas encore. N'empêche, la BD, ça hype un peu, genre, c'est une petite histoire qu'on suit. Hop. Ok. Oh, comment ça lag? Je peux même pas dé... What the fuck? Ah putain, ça m'a téléporté dans la ville la plus loin possible. Alors déjà,
Normalement, regardez, le marteau il devrait être par là. Sur la carte, on voit pas, c'est bizarre. Et d'ailleurs, les super-héros ils devraient arriver par là, à peu près. Et la faille, elle est où? Elle est là, regardez. Soit elle va commencer à s'ouvrir, soit elle va commencer à se refermer. Je sais pas encore. Soit Thor il est déjà arrivé sur la carte. Parce que la BD, ça se peut que c'est ça soit le futur. Genre, la BD elle montre le futur. Donc Thor il est peut-être pas encore arrivé sur notre carte à nous. Ou peut-être qu'il est déjà arrivé et la faille commence à se refermer. Je sais pas encore, je veux pas vous mentir. Hop, on va aller à celle-ci pour regarder si y a le marteau. Si y a le marco par... Si y a le marteau, c'est incroyable. Imaginez, on peut prendre le marteau dans nos mains. Ce serait incroyable. Je pense pas qu'on puisse le prendre parce que pour le prendre, si vous connaissez les Avengers, eh ben, pour pouvoir prendre le marteau, il faut être fort, etc. Donc il n'y a que Thor qui peut le prendre, même s'il y a quelques super-héros qui ont réussi à porter le marteau. C'est pas tout le monde qui peut le porter. Hop. Désolé si les vidéos elles sont longues, mais bon. C'est pas grave. Hop. Je vais prendre juste le pad. Oh yes! Oh les gars! Attends, mais sur la carte on voit pas. Oh, y'a le marteau! Regardez! Je suis sûr qu'il y a d'autres endroits sur la carte. Wouah! Est-ce qu'on peut le prendre? Il est petit. Il est incassable, les gars. C'est logique. C'est le marteau de Thor. Wouah! Ça brûle même pas. Ouais, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Et regardez, je mens pas. J'ai lancé une game devant vous. C'est wouah! Je pense du coup que les gars, il y aura peut-être un événement. Faudra mettre des skins Fortnite et en fonction du skin qu'on met, on pourra soulever le marteau. Mais je pense qu'il y aura que le skin de Thor dans le pass de combat qui pourra le soulever et quelques super-héros peut-être. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Ciao les potes et rendez-vous plus tard pour la boutique et pour la suite de la BD. Et si vous avez des questions, dites-les-moi en commentaire. Et pour le skin pomme d'ailleurs, parce qu'il y en a qui me demandent. On le recevra normalement au début de la saison 4. Donc début saison 4. Sauf s'il faut une mise à jour avant. Et s'il faut une mise à jour, on l'aura avant. Mais s'ils font pas de mise à jour, on l'aura à la saison 4. En tout cas, vous recevrez le skin tous en même temps. Il n'y a pas de souci. Et pour la casquette et les PS4 à gagner, eh ben, vous ne pouvez pas le savoir. Genre, on peut pas savoir c'est quand. Bref, ciao les potes.